autre avantage des réseaux sociaux, c'est que l'on peut retrouver ses anciens amis. C'est clair. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Ça faisait plus de 20 ans, Marjorie. Oh là là. Merci à Harold de nous avoir retrouvés. Qu'on puisse se rappeler notre jeunesse. Et moi, j'ai surtout envie de remercier Tom d'avoir proposé de nous accueillir chez lui pour cette petite réunion. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Allez, à nous tous, la bonne bande d'anciens copains. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez du club qu'on avait formé lorsqu'on avait 15 ans? Oh là là, oui, c'était le cercle des sauveurs de l'humanité. Exactement, Arthur. C'était peut-être un petit peu prétentieux, mais au moins, on avait déjà nos convictions. Ah oui, comme stopper la famine, lutter contre le réchauffement climatique, réduire les gaz à effet de serre. On était en avance sur notre temps. Et donc, depuis cette époque, avez-vous œuvré pour ce beau projet? Je suis ingénieur en développement durable, mais je travaille actuellement sur la transition énergétique. C'est super, Arthur. Et toi, Marjorie? Eh bien, moi, je travaille avec mon mari dans une ferme d'agriculture bio. Et on fait aussi partie d'une association de protection des animaux. C'est remarquable, bravo. Et toi, Harold? Mais moi, je travaille pour Médecins Sans Limites. Je soigne des civils. Beaucoup d'enfants, pour la plupart victimes de la guerre. C'est ce que tu voulais faire étant jeune. Je vois que t'as réussi. C'est fantastique. Dites-moi si je me trompe. On s'était promis de sauver le monde, non? Même si le gros avantage des réseaux sociaux est de pouvoir prospecter des clients facilement, ça a tout de même le bon côté de pouvoir retrouver ses anciens amis. C'est clair, ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Vous êtes plus de 20 ans, Marjorie. C'est tellement loin. D'ailleurs, Harold, quand j'ai reçu ton invitation, j'ai mis du temps à te resituer. Pareil pour moi, c'est une autre époque. Mais bon, ça fait plaisir de vous revoir. Enfin, je pense. Je suis vraiment très heureux de vous avoir retrouvé. Et je voulais dire un grand merci à Tom d'avoir proposé de nous accueillir chez lui pour cette petite réunion. C'est un grand plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, j'ai même rêvé de me retrouver. Ah ouais. Tu as songé à ce qu'on pourrait se dire après toutes ces années. Exact, ça m'a travaillé. Ça fait tellement plaisir de faire le point sur nos projets de jeunesse. À ce propos, est-ce que vous vous souvenez du club qu'on avait formé lorsqu'on avait 15 ans? Non, tu sais, moi j'ai une vie pleine d'expériences et de réussites. Hein. J'avais d'autres choses à garder que tous ces trucs d'ado. Aucun souvenir non plus. Hein. Plus j'ai fait partie d'une trentaine de clubs, excusez-moi, tous plus débiles les uns que les autres. Alors franchement, me souvenir de chacun, c'est compliqué. Hein. Club débile? Ça va, Tom? C'était le cercle des sauveurs de l'humanité. Je m'en souviens très bien. Ah oui! C'est là où on se disait que nous allions sauver la planète, réduire les gaz à effet de serre et sauver les enfants malades, toutes ces conneries là! C'est exactement ce genre de conneries, ouais! Qu'est-ce qu'on pouvait être stupide et naïf? Alors, qu'est-ce que vous faites pour mettre en œuvre ces projets qu'on s'était fixés? Arrête, Tom, l'utopie ne dure jamais, c'est des trucs de gamin. Faut profiter! On dirait que les priorités ont changé pour Arthur. Bah, il s'est pas le seul! Ça va bien de vouloir sauver la planète, mais on va quand même pas vivre en Sarwell et bosser dans les champs de bio, non? Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est quoi vos super boulots? Je travaille dans une raffinerie d'huile. Quel genre d'huile, Marjorie? Huile de palme. Ça me fout les boules. Toi qui ne parlais que d'agriculture biologique et de sauvegarde de la forêt. Mais bon, bah, ça va. Tu veux me faire chialer? Sans ce boulot, je n'aurais pas suffisamment d'argent pour payer les soins de ma fille handicapée. Moi, je suis dans le pétrole. Je peux vous assurer que ça rapporte un max. Vous avez vraiment changé. C'est minable. Grâce à ça, je gagne 10 fois plus que si je travaillais dans une boîte en environnement. Je peux me payer des super voitures. Une putain de villa. On n'a qu'une vie, Tom. Faut en profiter. On n'a qu'une vie? Mais derrière nos vies, combien y en aura-t-il? Peut-être plus des masses si on continue à ce rythme-là. Merde, c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. Tu dis des vérités, Tom. Des banalités aussi. Et dis-moi, Tom, qu'est-ce que tu fais, toi, pour la sauvegarde de l'environnement? J'organise des conférences et des webinaires sur l'environnement pour trouver des solutions. Bla, bla. Quoi? Des congrès, Tom. C'est de la parlotte. Vous discutez entre vous en espérant que les choses s'arrangent. Tu
peux faire beaucoup mieux, non? Ah ouais, et qu'est-ce que tu fais, toi, pour te permettre de venir me faire la leçon? Eh bien, je suis directeur des ressources humaines dans une entreprise, disons, innovante. C'est déjà moins pire que les deux autres. Tu t'occupes de créer des emplois? À vrai dire, je recrute assez peu. Mon rôle consiste avant tout à retirer des gens d'effectifs. Toi, qui voulais être médecin et sauver des gens, maintenant tu les mets à la rue? Faut savoir faire du tri, Tom. Certaines personnes ne méritent pas de rester dans notre société. Tu fais peut-être moins de mal à la planète, mais t'es devenu aussi cynique que les deux autres. Je sais pas ce que tu dis, mais j'aime ta motivation. Oh, arrête de parler comme ça, je suis pas en train de passer un putain d'entretien d'embauche. T'es RH nommé 2. Reste tranquille, Tom, je suis dans ton camp. On a rien en commun. Merci, Harold. Ce mec devenait complètement incontrôlable. Il commençait à me faire super peur. Mais il a pété un plomb, ça lui est monté à la tête, ces conneries d'écologistes. C'est un extrémiste complet, j'ai cru qu'il allait nous tuer, ce putain de gaucho de merde. Rassure-toi, Arthur. T'as rien à craindre de Tom. C'est pas lui qui va vous tuer. C'est Marjorie. En arrivant ici, je connaissais bien vos parcours, à tous les trois. Et je savais très bien que j'allais avoir du travail. N'oublie pas les choses, Marjorie. Ouais. Ouais, c'est pour déclarer de nouvelles actions de sauvegarde de la planète. Ouais, deux licenciements immédiats. Un dans l'industrie du pétrole et l'autre dans l'huile de palme. Ouais. T'es pas un imbécile, Tom. Je te l'ai déjà dit, Tom. J'aime beaucoup ta passion et ta motivation. Mais tu pourras faire beaucoup plus que tes congrès. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis bien, Tom. Alors, intéressé ?